Et bienvenue à notre premier After TEG. Donc en l'occurrence, c'est le 7e événement que l'on fait depuis les 4 mois d'existence du club d'affaires. Donc il y a eu 6 tables jusqu'à maintenant, des tables d'affaires d'une quarantaine de chefs d'entreprise. Et donc là, en l'occurrence, c'est le premier After, donc un nouveau format que vous découvrez. Donc je vous souhaite déjà la bienvenue, une bonne soirée, bon réseautage, des bonnes connaissances. Vous allez voir, ça va être une soirée fun. Donc encore merci d'être présent, de nous avoir fait confiance, parce que on est conscient qu'on est un jeune club, dont l'objectif en l'occurrence c'est quoi? Vous avez pu le voir, on fait du réseautage, on fait de la mise en relation, mais surtout on fait du business. C'est un club d'affaires, c'est un club business, avec des logiques différentes, des logiques avec un groupe WhatsApp, avec des communautés. Vous avez pu découvrir le groupe général pour l'ensemble des recommandations, avec différentes sous-divisions de ce groupe, de façon à optimiser un certain nombre de choses, mais aussi à pouvoir proposer des services complémentaires. Que vous puissiez mettre une publicité, que vous puissiez chercher un salarié, que vous puissiez chercher un bien immobilier dans le cadre de votre activité, mais pas que, ça peut être aussi à titre personnel. Donc, avant tout déjà, un groupe WhatsApp. C'est ce qu'on voit au quotidien, du lundi au dimanche, 3h du matin, 5h, minuit, il y a des recours en permanence. Mais c'est aussi du visuel. On passe du virtuel au physique. Donc, à ce titre, on a déjà eu 6 tables d'une quarantaine de chefs d'entreprise où les gens, en l'occurrence, ne se connaissaient pas, ont appris à se connaître, à se faire confiance, à réseauter, et on a vu de très belles affaires sortir de ces tables. C'est aussi des after-work, un premier after-work comme ce soir. On attend plus de 200 personnes. Globalement, déjà, on doit être à peu près 120-130. L'after a commencé globalement il y a une heure, ça va continuer à arriver. Donc, on va pouvoir réseauter toute la soirée. Donc, du réseautage, c'est vraiment la logique. Donc, n'hésitez pas à discuter de vos activités, à vous intéresser aux activités des autres. Ce n'est pas forcément ceux avec qui vous pensez faire du business, avec qui vous allez en faire. C'est parfois des gens où jamais vous auriez pensé une seule seconde. Sauf que peut-être ils ont le besoin auquel vous pouvez répondre. Et sans doute, vous avez aussi le besoin auquel il peut répondre. C'est vraiment ça, cette logique, dans le club où maintenant on est plus de 630 sur WhatsApp en 4 mois. Donc, ce club-là, en l'occurrence, il ne s'est pas fait tout seul. Il y a un fou furieux qui a appuyé sur un bouton le 14 octobre, mais heureusement que ce fou furieux, il était accompagné d'un certain nombre de personnes. Donc, j'ai les administrateurs, que je remercie, qui m'ont fait confiance en lançant cette aventure et qui nous aident au quotidien. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on est le premier et seul club d'affaires sans cotisation. On a complètement changé le business model. Et ça, forcément, vous avez pu le voir, il faut le gérer au quotidien. Donc encore merci aux administrateurs. J'en ai 7 ce soir avec moi, ça fait 8. Il y en a 2 qui ce soir ne sont pas là, qui sont en déplacement à l'étranger. Et je tenais à les remercier. Donc pour vous les présenter, déjà, tant qu'à faire, je vais me présenter parce que, en l'occurrence, je suis président de TEG, mais ce n'est pas mon job. J'ai un job quand même à côté. C'est plutôt mon job principal d'ailleurs. Donc je suis expert comptable. Donc en l'occurrence, je suis directeur régional Antilles-Guyane pour le groupe Fiducial. Donc une dizaine d'agences dans les Antilles-Guyane où on accompagne plus de 1500 entreprises, TPE, PME, groupes de sociétés. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. Alors dans la vie, on va dire dans la vie professionnelle, je suis consultant en logiciel de gestion, donc tout ce qui est facturation, comptabilité, paye. Voilà, c'est mon domaine d'expertise. Bonsoir tout le monde, Desiree Martinez, et conseiller en gestion du patrimoine. Et moi, je vous accompagne à atteindre des objectifs financiers et gagner plus d'argent. Bonsoir à tous, chers membres et invités. Donc moi, je suis Rénal Terxavier, je suis expert en sûreté électronique. Donc on s'occupe de tout ce qui est sûreté des biens, des personnes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Donc moi, je suis Coralie Minuti, entreprise CM Graphic Motion. Donc je suis spécialisée dans tout ce qui est création visuelle, création graphique. Et également, je vous accompagne dans l'élaboration de vos stratégies de communication. Donc voilà, et dans le groupe TEG, je m'occupe principalement de la création des visuels et de la diffusion sur les réseaux sociaux. Voilà, merci et bonne soirée. Voilà, là, c'est moi, Jean-Yves Frixon. Je suis président de la chaîne de télévision ETV. J'ai une autre société aussi spécialisée dans le digital depuis 25 ans.
On a à peu près 1500 clients. Donc, si vous avez besoin d'un site internet, bah, je suis à votre disposition. Merci. Bonsoir, moi je suis Dominique Zamy. Alors, je suis traiteur et aussi je m'occupe de la communication et des partenariats. Donc, si voilà, tout ce qui est partenariat avec TEG, vous pouvez me joindre, me contacter. Merci. Bonsoir, donc je suis Étienne Cadieu, directeur de Néosystem. Néosystem, c'est tout ce qui est vidéosurveillance, alarme, télésurveillance de vos biens, de vos entreprises et de tout ce qui est grande distribution. Le club d'affaires, ce sont des membres, ce sont des administrateurs, mais ce sont également des partenaires. Des partenaires qui nous ont fait confiance pour justement pouvoir développer un certain nombre de choses, dont notamment la principale ce soir, notre site internet. Donc les partenaires à ce jour, on a 9 partenaires, dont 5 ce soir qui vont pouvoir se présenter. Stéphanie Julius, moi je suis directrice régionale du marché des professionnels, donc à la BRED, pour la Guadeloupe et les îles du Nord. Et j'ai le plaisir en tout cas d'animer une équipe de 33 conseillers professionnels. Il faut savoir que la BRED, c'est 114 000 clients à l'échelle de la Guadeloupe, un peu plus de 15 000 clients professionnels. Et on a vraiment à cœur de développer à la fois l'humain, mais aussi le digital, en proposant notamment des solutions innovantes à destination donc des clients professionnels et entreprises, parmi lesquels des solutions notamment de fidélisation des clients. Et puis je pense aussi à Monsieur Zamy sur la partie restauration ou aussi touristique. On a développé très récemment une offre qui s'appelle Visibility Shop et qui permet aux entreprises de gérer leur e-réputation. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Jordan Verne, direction commerciale Corsair pour la zone Antilles. Donc, merci du coup au réseau TEG de nous avoir intégrés, car Corsair met vraiment à cœur vos déplacements et les entreprises dans leur cadre, dans leur développement. C'est pour ça que du coup, ce soir, Corsair, c'est avant tout 40 ans d'existence, 40 ans de présence aux Antilles. Corsair dessert quotidiennement Paris à raison de quasiment 2 vols par jour, mais également des vols vers Bordeaux et Nantes. Mais pas que, Corsair, c'est aussi toute la province avec le réseau TGVR, mais également l'océan Indien, avec au départ des Antilles, vers La Réunion, Mayotte, l'île Maurice, Abidjan, Madagascar, et en Afrique, vers Abidjan, Cotonou. Donc Corsair, cette année, c'est une année spéciale, car on arrive à terme de notre projet, qui était effectivement la transition de la compagnie. Hein. Donc on a commandé effectivement des Airbus Neo, et cette année, on reçoit les derniers Airbus Neo pour continuer à monter en gamme et vous offrir effectivement une qualité de service exceptionnelle, bien sûr, au meilleur prix, car avec le tarif que nous proposons, vous avez des remises sur l'ensemble des cabines, c'est-à-dire en business, premium et en classe économique pour vos déplacements du coup. Donc c'est vraiment des tarifs qui sont extrêmement intéressants. Donc Désiré vous enverra prochainement la procédure pour y accéder. Et bien sûr, je reste à votre disposition ce soir pour avoir des informations pour Corsair et également vos entreprises pour personnaliser l'offre et aussi notre approche. Donc, Gilles Gabali, nous sommes le distributeur de la solution MyPOS en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. MyPOS, c'est quoi? C'est un pack de paiement et d'encaissement bancaire, ok, il faut quoi, ça va, c'est mieux, qui s'adresse essentiellement, donc compte bancaire, carte bancaire, une plateforme d'administration et un terminal de paiement. Alors, nous sommes une alternative à l'offre bancaire classique et l'un des gros avantages de notre dispositif, c'est de traiter le paiement, l'encaissement par carte bleue comme un paiement cash. Donc, tous les paiements sont immédiatement crédités sur le compte. Après, si vous voulez d'autres renseignements, puisqu'il y a plein de choses à dire, mais on n'a que 30 secondes, vous avez inscrit tous les numéros de téléphone et je vous invite à me contacter. Alors, Yann Serranton, président de l'association à Lévigny Guadeloupe. Donc, nous sommes membres de TEG aujourd'hui, en fait partenaire en tout cas, et on intervient à 2 titres. Première chose, c'est que vous, en tant qu'entrepreneur guadeloupéen, vous allez avoir besoin de ressources humaines et vous allez chercher des talents, des gens qui ont des compétences innovantes, des choses qui n'existent pas, pour faire du business, comme tu l'as si bien dit. Et bien, à ce moment-là, vous allez venir vers nous pour nous dire, voilà, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut effectivement vous y accompagner. Et la deuxième chose, c'est que vous allez constituer le réseau qui va accompagner des porteurs de projets qui vont arriver avec de l'argent, avec des idées et avec des projets avec qui vous allez faire du business et qui vont faire grossir l'économie guadeloupéenne. Je m'appelle Julien Ferré, je représente Waba Assurance. Je commencerai par un nombre, c'est 35. 35, c'est pas mon âge. Hein. C'est l'âge de Waba Assurance, créé en 1989. Ça représente l'innovation, ça représente aussi l'expérience.
Nous, on a pour objectif en fait, de vous faire profiter de notre expérience parce qu'on est assureur, et on est surtout assureur de sociétés et d'entreprises depuis le début, depuis 1989, sur la Guadeloupe et sur la Martinique. Donc l'objectif d'ailleurs, c'est de s'associer et d'être partenaire du groupe TEG parce que pour nous, c'est... ça c'est le poumon disons économique de la Guadeloupe et on voudrait justement participer à cela parce que c'est dans notre ADN et du coup l'idée c'est de vous accompagner sur tout ça pour que vous puissiez faire du business dans de bonnes conditions. Donc ce qu'on vous propose et pour les membres TEG un benchmark en fait, faire une étude de vos assurances de manière gratuite de manière justement à trouver de bonnes solutions, à avoir qu'un seul interlocuteur et du coup de bénéficier des meilleurs tarifs. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Vous regardez ETV,